Le thème de cette édition, c'est l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Ça parle d'une garce qui va mettre le bazar dans un couple très heureux. La thématique de la pièce, c'est quatre personnes qui ne se connaissent pas et qui vont se retrouver enfermées dans une pièce sans aucun moyen de sortir. Ça parle d'un irresponsable qui fait absolument rien pour son enfant et d'une folle. L'histoire, c'est celle de quatre marginaux qui se retrouvent à vivre ensemble les 30 dernières minutes qu'il leur reste d'existence parce qu'une météorite va s'écraser sur la planète. Et voilà, hystérique. Et tu dis rien. C'est l'histoire de Margot et Luna, qui s'aiment en grand comme au cinéma, parce qu'on sait que c'est toujours plus facile dans les films. Elles rêvent de quitter leur ville perdue au milieu de nulle part. Et sur leur route, elles croisent la ville, qui en paiera les frais. C'est une pièce qui est un travail inspiré de quelques mots d'Oncle Vania, de Tchekhov. C'est une pièce qui vous invite dans l'intimité d'un couple qui attend un enfant et qui traite d'un sujet qui est assez tabou aujourd'hui dans notre société, mais pourtant très très courant. Moi je dirais que ça parle beaucoup d'incompréhension entre plusieurs personnes qui disent des choses mais qui ne les prennent pas de la même façon. Oui, et puis avec les mêmes phrases un peu. Rendez-vous parle de résilience en amour. C'est une équipe complètement barrée qui propose n'importe quoi comme idée et moi je fais le chef de tout ça et je suis complètement dépassé par les événements. Un peu comme je suis dépassé par ma cuisine là. Voilà. L'impact de la société humaine est le thème de cette pièce. Alors imaginons qu'une météorite frappe la Terre dans 4 minutes. Je choisis 3 personnes, je les mets sur scène, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc ça me semblait important d'en parler. C'est un peu une question d'amalgame. D'amalgame. Croco. Pardon? Oui. Nous espérons que ça va vous plaire lors de ce festival. Tout court. Attends, du coup, on peut couper là. On peut couper. Et...